Oh, hey, comment ça, monsieur, qui arrête tout de suite le chant, tu n'es pas fait pour ça? Bah, je sais pas, j'ai cru que c'était un truc, ça sonnait bien avec les chants indiens. Ah, c'est un rythme traditionnel nordique. Oui, c'est pas pareil. Pourtant, regarde. Oh, ça marche, je suis désolé, merde. Comment vous allez, les amis? Ah là 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 là, vous avez de la chance d'être déconfiné, de pouvoir à nouveau faire un travail complètement pourri pour une paye misérable. C'est une chance que je n'ai pas, et donc, du coup, moi je teste des jeux, plein, plein de jeux, puisque je vais vous dire le secret backstage. J'ai 48 heures pour tester une cinquantaine de jeux. Oui, ça a commencé ce matin, et ça se finit demain à minuit, et si j'ai pas testé tout, et ben tant pis pour moi, je n'y aurai plus accès. Donc, du coup, je suis un petit peu en mode marathon gaming. Et j'ai essayé de sélectionner bah, essentiellement les jeux qui pourraient être vraiment intéressants dans le lot, même si je ne doute pas que je vais tomber sur d'immondes daubes. Et ah! Au milieu de tous ces titres, j'en ai trouvé quelques-uns qui ont plus tapé dans l'œil que d'autres. Alors, faut se méfier, parce que c'est comme les. Je l'ai déjà dit, hein, c'est comme les pochettes d'albums vinyles. Il y a des très très belles pochettes de disques. Et une fois qu'on met la rondelle sur la platine. Oui, c'est décevant. Ça arrive également avec les jeux. On a beaucoup de bandes annonces de jeux et puis de titres qui se font reluire sur l'aspect graphique. Et puis une fois dans la partie, on se rend compte qu'en fait. C'est pas terrible. Alors aujourd'hui, on va tester un jeu. Un jeu qui s'appelle. Vous allez l'avoir dans pas longtemps, ne bougez pas. The Blind Prophet. Je vous fais la capture. Au lasso, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qui m'attirait dans The Blind Prophet? Ah, c'est son aspect dark qui va sûrement vous taper dans l'œil également. Je vais peut-être faire un petit peu la balance, ça m'évitera de m'égosiller. Voilà, mieux. Et donc du coup, oui, côté dark, je me suis dit, bon, oui, je suis bon candidat, ça peut le faire. On va tenter. Alors l'autre chose qui m'a également attiré dans le jeu, c'est qu'il est ouvertement inspiré comics BD. Et du coup, ça peut donner un style, en plus du style graphique qu'on peut voir, bah, ça peut donner un style assez marrant selon la dynamique dans laquelle ça s'engage.
Ok, on part sur la base d'un bon vieux point and click. Reste à voir si le scénario va être génial et si ça va être stylé au moins. Non? Oh, vous êtes pas joueur, on commence juste le stream, merde. C'est vrai que je pourrais lui fournir cette main à manger. Je peux pas discuter avec. Ça te dirait de retrouver ton proprio. Ouais, je sais pas si à bouffer dans une caisse de poisson. Oh, c'est grossier ça. Pourquoi je me marre? Vous avez vu le cure-dent que le gars se trimballe dans le dos? Et vous allez me faire croire qu'il n'arriverait pas à ouvrir une caisse, honnêtement, honnêtement. Seriously, les gars. Un peu de logique dans vos jeux, déconnez pas trop. Ok, on va trouver un ouvre-boîte. Mais là, je suis un petit peu plié de rire quand même. Bouteille vide, il y a moi. Bah, je vois rien d'autre, ça. Oh! Oh! Y a rien que je puisse faire, je suis déception, je suis. Oh! Comment dire-je? Ah, je suis pas bon au point and click, c'est clair. Bah, je crois qu'elle va crever de faim, la miss, hein, tout simplement. Alors, y a ça qui clignote là, mais j'arrive pas à y accéder. Et je pense pas que je puisse me déplacer, non, pas tant que ça. Je vais être coincé sur le démarrage du jeu, ça va être juste pathétique. Monsieur K et les point and click, c'est de vieilles histoires assez dramatiques en fait. Les seuls jeux sur lesquels je me suis à peu près éclaté, c'est les Lucasfilms, les LucasArts. Parce que c'était tellement insensé que du coup la logique me correspondait pas mal. De là à dire que j'ai pas du tout de logique, ce serait exagérer un poil, mais. Inventaire, peut-être, vide. Oh, super. Œil. Œil de le pouvoir. Vous avez vu mon œil de le pouvoir, tout ce qu'il me fait faire. Et il y a ces petits points rémanents. Alors, j'ai pas cliqué là-dessus. Bah, elle ira chercher à bouffer la miss. Hein. Je suis pas là pour faire du Uber, hein, les gars. Quoi? Oh, soit. Bah si. Si justement mec. Il est là le truc. Il y a plein de trucs, regardez. Les barrages, j'ai déjà fait. J'avais pas du tout vu, je suis désolé. Il retourne. My bad, ça commence très mal. Mais bah, Monsieur K, je vous l'ai dit. Monsieur K, point and click. Ça va être très long. Oui, madame. Et crac. Maintenant, je vais lui donner la main. Non?
Ouais, parce que le bad boy, il est toujours gentil dans son petit cœur, derrière le gros manteau en croûte de cochon mort. Cool, je vais pouvoir me faire tatouer gratos. J'avais justement une petite place disponible sur la fesse droite. Oui, sur la gauche, il y a quelque chose, mais vous voulez absolument pas savoir ce que c'est. Oui, alors ça, j'étais pas attendu, bonhomme. Hein. Il m'a intrigué ce truc déjà. Je vais juste ramasser ça parce que j'en ai. I want it. Prends-moi ta main et donne la tienne. Et on va se casser allègrement. Pourquoi il raconte quelque chose lui? Ouais, bah pour le retrouver, il faudrait déjà que tu bouges de là, bonhomme. Hein. On va pas y rester toute la journée non plus. Hop. Alors, par où vais-je? Par la bage ou par la bage? Ce n'est pas si simple. Des rats ont empoisonné l'arsenic dans cette direction. Et là, la picole et pas grand chose de génial. Je serais pour aller flâner à la plage quand même. Oui, Bamos. Bamos à la quoi? Ah, vous savez tous très bien quoi. Merde, je suis revenu. Monsieur K manquerait de précision? Oui, probable. Feu de camp crache ces derniers éclats dans le petit vent d'automne. Je pourrais discuter avec le feu, mais. Regardez ces coraux luminescents, mais. Des coraux bleutés inondent le rivage de lumière. C'est assez magique. Oui, je vais prendre la grosse voix pour faire la voix du perso, ce sera très bien, ça ira pas mal avec. Une énorme mine sous-marine, sûrement abandonnée. En fait, je l'avais laissée ici parce que je savais que je reviendrais. Pas très malin de laisser traîner ça ici. Faut voir s'il y a des enfants qui ont envie de jouer, ça peut être sympa. Prends la poubelle. Oh, tu n'es pas funky, allez, on va au village. Alors graphiquement, c'est sympa quand même, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une bande dessinée. Il y a un petit style, et le côté dark est tout à fait assumé et bien porté. Un commissariat, c'est certainement pas là que je trouverai un mec qui a une main coupée et qui a voulu faire du mal à une petiote. Vers le club de striptease, probablement. Faudrait décoller le censuré dessus, non? T'en veux pas dans ton salon, t'en veux pas dans ton salon, dis donc. Dites donc, les clochards. Non, on va pas prendre les clochards, on va essayer de discuter avec. Je peux aller là où ça doit être fermé, là, je présume. Il y a un digicode taché de sang, avec des traces de doigts toutes fraîches. Ah, c'est sûrement par là qu'il est allé, le gros, à la main, en main, avec ses 5 derniers doigts. Ceci dit, je n'ai pas le code, donc il va falloir aller dans cette ruelle le trouver, je présume. Oui, si vous avez besoin de résoudre un problème, ne comptez pas sur les flics, hein, c'est connu. Ah merde. On va tenter, mais je connais le résultat si c'est fait ou très réaliste. Ah, on est très bien d'accord. On est parfaitement d'accord. Bon, bah, il me reste plus qu'à observer ce digicode et essayer de comprendre ce que je peux faire. Oh, bah, ça tombe bien, il y a.
fait toutes les combinaisons, man. Ah non, j'ai pas fait 7-3, 7-3. Oh, fuck me. Bon, il doit y avoir un indice quelque part. C'est cela, oui, c'est cela. Ça se tente. Alors, je suis coincé parce que j'ai pas la clé et que c'est fermé de l'intérieur et qu'il y a les tarifs qui sont humour. J'ai cliqué trop vite. Oui, ça coûte un bras. Heureusement qu'il en avait deux. Ceci dit, maintenant, il y en a un qui est à 50%. What else do I have? J'ai une boîte aux lettres. Je peux peut-être l'ouvrir avec ma clé. Regardez-moi cette souplesse. Alors, je me balade en toute discrétion avec un air de cadavre, un petit peu engagé dans les forces allemandes contraignantes. Je dois avoir une odeur terrible. Je porte une épée et personne ne bronche. J'ai pas croisé grand monde. Un grand gaillard comme toi qui trouve ça lourd. Oh, si c'est pas triste. Bah non, on va mettre un peu de couleur, bonhomme.
tu veux pas les prendre. T'es bien con, ou alors tu vas me faire des allers-retours. Toi, t'es un candidat pour Resident Evil. Thor. Alors, où est-ce que je me balade? Résidence, fantôme ou étage? On va commencer par le bas, hein. C'était la porte d'entrée, ok. Je peux l'utiliser dans l'autre sens maintenant. Merci. Alors c'est dommage, c'est pas du tout le même angle. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Moi j'étais persuadé d'être arrivé par là, quoi. Enfin, je suis arrivé par là, mais c'est... Vous me comprenez? Il y a des comportements étranges quand même des fois. Je voulais pas sortir, j'ai cliqué sur l'œil. Ça aussi c'est purement désagréable quoi. Oh mon dieu ça. Sérieux les gars. Les gars, sérieux, sérieux, les gars. Faites un petit peu d'études au niveau interface, ça vous fera pas de mal, j'ai l'impression, parce que. On va pas être amis, probablement. De tableau, non. Je voulais pas remonter, nom de Zeus. Et ce jeu, eh bien, mais il a un problème. Son interface a été faite à l'arrache, apparemment, avec aucun, mais alors pas le moindre souci d'ergonomie. Ah ben, nom de Zeus. J'ai vu, je veux bien sortir du... Je veux la clé. Prendre. Mon dieu, mais qu'il est con. Prends-la aussi. Non, faudra que tu reviennes. Ok, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Ah, je prends même plus le temps de lire, là, maintenant j'enchaîne. On est en mode... C'est parti. Diable que cette partie n'est pas intéressante. Ouh là là, c'est vraiment risqué de mettre des parties interactives aussi. Naze.
Bon, bah, au moins maintenant on sait qu'il est dans la 102. J'ai dit laquelle du coup, moi? La 101, c'est la meuf. 102, c'est lui. C'est ainsi que fatalement, à la 30e minute, Monsieur K perdit la vie dans ce jeu. Et on le reposa au dernier checkpoint, telle une nouille qu'il était. Pourquoi on va s'enfuir de The Blind Prophet? Bah déjà parce que je vous ai fait voir les grands principes. Et vu que c'est de l'exploration point and click, ce serait complètement idiot que je vous le spoil en entier. L'autre truc. Bah, c'est que ce jeu m'a pas particulièrement plu, puisqu'il a un petit côté plus visual novel que jeu d'aventure, qui plaira certainement à une bonne part d'entre vous, mais qui en rebutera une autre, qui me rejoindra. Et du coup, le tout rajouté avec ces petits soucis d'interface, bah, on se dit que le produit mérite d'être encore un petit poil travaillé, pour que ça ait vraiment de la gueule et que ce soit pratique. Oui, quand tu as pas grand-chose à animer à l'écran, tu te dois d'avoir une interface impeccable, sinon c'est s'attirer beaucoup d'ennemis pour pas grand-chose et un travail qui a été pourtant bien effectué. Dommage, dommage. Donc je vous laisse découvrir Blind Prophet par vous-même, puisque, oh, bonne nouvelle, regardez dans la description, il y a un lien et normalement vous avez accès à une démo. Je sais pas si c'est définitif ou temporaire, mais profitez-en. Playlist généraliste, playlist des shmups, bouton d'abonnement. Et moi je retourne en enfer chercher un autre jeu monstrueux.